la moitié du tournage et là, je dois aller aux toilettes. Donc, là, vous allez me dire, OK, Dan, c'est beau, on veut savoir l'arrière-scène du tournage d'une émission, mais pas au point de savoir que tu vas aux toilettes en plein milieu, là, quand même. Non, non, attention, attention, il y a quelque chose de très important qu'il faut penser. C'est que, voyez-vous, je suis, comme on dirait en bon québécois, je suis micé, c'est-à-dire que j'ai un micro qui est juste ici dans ma casquette, que vous voyez pas, mais c'est un micro sans fil. Alors actuellement, le sonorisateur qui est à l'extérieur, il m'entend. Donc il faut y penser ça quand on va aux toilettes, parce que si on veut pas ressortir et voir toute l'équipe de tournage crampée en deux en train de te dire à quel point t'as de l'air tellement en santé, à quel point ils ont entendu que tu étais en santé. Il faut que tu fasses attention quand tu vas aux toilettes. Faut que tu penses à tout ce genre de petites choses-là. Parce que vous savez, c'est le genre de choses qu'une équipe de tournage peuvent blaguer avec très longtemps. Ils peuvent t'éclairer très, très, très longtemps quand tu penses pas à ce genre de choses-là. Alors, il faut y penser. Lorsqu'on filme, on va tout le temps faire attention à filmer deux fois les mêmes choses. Donc, par exemple, si j'ai un texte à donner, je vais le donner deux fois d'affilée, à peu près de la même manière, mais je peux varier un tout petit peu. Le but est pas d'apprendre son texte par cœur, mais en même temps, faut pas que ça soit trop par cœur. Il faut qu'il y ait un petit peu de naturel. Et c'est là que le réalisateur rentre en ligne de compte. Moi, j'ai un excellent réalisateur. En fait, j'en ai deux avec qui je travaille, mais plus souvent, c'est avec Martin, comme aujourd'hui. Et c'est lui qui va me dire, Daniel, baisse le menton, souris. Parce que ça a l'air niaiseux, mais vous voyez, moi, quand je fais des conférences, je suis habitué de prendre un petit peu d'auteur pour bien délivrer mon message, pour bien avoir. Donc, j'ai tout le temps un petit peu le menton surélevé. C'est une façon de faire quand on fait des conférences. Mais à la télévision, c'est pas bien. À la télévision, on a de l'air un petit peu pédant si on est comme ça. Donc, il faut tout le temps que j'aille le menton un petit peu plus rabaissé comme ça quand je parle. Il faut que je souris. D'ailleurs, pour le montage, ce qui est important, ça donne un petit peu de flexibilité, c'est que chacune des scènes, on va les faire deux fois. Alors, la première fois, on va la faire exactement comme ceci. Et la deuxième fois, on va la faire beaucoup plus rapprochée comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça deux fois? Ben, c'est parce que on donne de la flexibilité au réalisateur de pouvoir choisir le meilleur des deux scènes. Et vous, vous ne voyez pas, vous pensez que c'est deux caméras qui filment exactement la même scène, mais en fait, ça a été deux prises de vue différentes. Alors, si on commencerait comme ceci, je vous dirais « Bonjour, bienvenue à l'émission Animaux de Radio-Canada. Aujourd'hui, nous allons voir le chat et ses comportements. » Donc, j'ai passé d'un à l'autre, mais en fait, c'était deux prises. Et dans l'une, ben j'ai pris le meilleur des deux. J'ai pu passer d'une à l'autre. Si j'avais balbutié dans l'une des deux scènes, ben, on pouvait couper et revenir dans l'autre. C'est comme ça que se fait le tout. Donc, on filme tout deux fois. Et évidemment, ben, c'est bien rare que j'ai réussi à donner mon texte d'un bout à l'autre sans me tromper, sans lever trop le menton. Ben, je le fais, là, puis je vous regarde, puis je sais que tout le long, j'étais comme ça, alors qu'il aurait fallu que je sois comme ça. Donc, c'est un métier, j'admire les gens qui font ça à longueur de journée, c'est un métier qu'il faut apprendre, c'est un métier qu'il faut faire pour pouvoir voir à quel point ça peut sembler facile quand on est à l'écran, mais à quel point c'est difficile de faire un simple petit 3 minutes.